The Dordogne Valley is peppered with the drop-dead gorgeous village. But Artois takes the biscuit with its beautiful location and provincial atmosphere. With a population of just around 350, the village of Artois is another happy member of the most beautiful village in France. At the parking. Paying 2 euros for wine. No, 2 euros per day. Going to the small village over there. Wine for wine. Let's visit the village over there. Look at that. Long protected by the Viscount of Turin, Artois exudes a serenity that its 8 centuries of existence have firmly anchored. Developed in the Renaissance period, Artois owes its nickname Petit Versailles or the Little Versailles. For years, the village's honey-colored stone and brown-tiled roofs have harmoniously blended with the backdrop of dramatic cliffs. Going around the village, we stopped by on this local wine shop. Moi, je suis producteur de quelqu'un de l'Alsace. C'est un vin naturel que je ne vends plus que dans le canton parce que j'en fais que 30 000 bouteilles. Alors, je travaille à l'ancienne, c'est bio et sans sulfite ajouté, mais ça fait moins de 3 degrés d'alcool, 2,27. Voilà. S'il y a un peu d'alcool, c'est parce que c'est l'effervescence naturelle, c'est pas du gaz ajouté. Ça s'est perdu au détriment du pétrole industriel, parce qu'il y a 0 degré, mais c'est bien. Et ça, c'est que des bouteilles d'exposition. Et ça, nous, on boit ça pour se rafraîchir, pour se papoter. On en met dans la salade de fruits, on boit ça sur les gâteaux, les galettes, les crêpes, ou à l'apéro. Et après, ici, c'est un seul blanc sec, un seul rosé, un seul blanc. Qu'est-ce que vous avez comme... Pas trop. Je peux vous faire goûter de Marcillac. Ça, je l'ai. C'est possible. On est 12 producteurs, on fait les marchés, des fois. Est-ce que vous aimez les blancs? Les blancs doux ou un peu? There is no sweet. Vous venez plutôt près de votre fille. Oui, oui. Viens par là. Maman, elle peut rester assise si vous voulez rester assise. Ah bon, assis-toi là. Si tu veux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Elle est fatiguée, là, on a fait l'homme. Oui, mais elle a raison, mais c'est fait exprès. Mais c'était pour pas qu'elle ait peur. Vous voyez, de là, elle se retrouve entre moi et vous. They have honey there. Ah oui, du miel aussi. Ça, c'est le miel du village, oui. Ah ben, ça déjà, on va prendre un peu de ça. Alors, est-ce que vous avez besoin d'eau pour rincer le palais? Non, ça va, parce qu'on vient de... Chez nous, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? C'est qu'il est très clair et qu'il fait que 11 degrés d'alcool. Ça veut dire que toute l'expression est dans le fruit et non dans le sucre. C'est pas liquoreux. Alors nous, mieux de boire un blanc cassis, un kir ou un rosé sucré, we drink it. This is very fruity, little bit sweet. It's not too sweet. So... It's not disgusting, and 11 degrees of alcohol is light, and this nice. Is easy to drink on every plate. C'est en fait... Very nice. Alors nous, au lieu de boire un blanc cassis, un kir ou un rosé sucré, ben, ça, il faut savoir que depuis le tariquet, depuis que le tariquet, le vin voisin, a dépassé les 10 euros, et ben nos blancs doux, on les tient plus. Et ben ici, monsieur, on est sur une sélection, c'est-à-dire qu'il y a 1100 cuvées différentes. Et en fait, c'est notre coup de cœur en blanc doux. Et ça, c'est un petit vignoble qui est entre Cahors et Montauban.
C'est bon, hein? Oui. Pour bien apprécier. Pour pouvoir juger que c'est une effervescence naturelle. Ah oui. À nous, on a tous un carton. Il faut boire. Good mouthful. Ah, comment vous dites? Good mouthful. Good mouthful. Mouthful. Good mass flow. Mouth. Mm. Ouais. Full. Voilà, full. Mass flow. I like this better. Mais ça, il faut savoir que ça, c'est pour l'apéritif, le foie gras, les fromages de chèvre. Mm. Et ça, c'est pour. C'est notre boisson fraîche. C'est une boisson rafraîchissante. Mm. Bonjour. Can I get five, please? Can I get five? Oui, vous en avez là? Oui. Ah, mais ça, c'est le seul que je rentre par palette parce que ça, ce genre. So we bought some wines from this shop. The man here is very nice. He's good in introducing his products to us. So we are convinced. We bought some and we told him that we will come back to get it after we go around the village. We will pay for it and go around and check the other place inside the village. So if you visit this place, check his shop, you will learn more about the shop and the wines that he is selling. Popcorn? Just around the corner, we see a shop with loads of local produced products. So let's check it out. Ça c'est vraiment bien parce que Michel Monteil c'est super, voilà. Bon, enfin bref, allez, je vous laisse. Tu veux ça? Ah, c'est un petit canard. Hop, voilà. Un jour, moi? Voilà. Viens, Antoine. Attendez, attendez, excusez-moi, j'avais juste mis ça pour mettre les cafés, c'est pas grave. Je vais finir de les servir si vous permettez. Oui, c'est extraordinaire. The Pruneau. I think we got already the one in a jar without cream. Ah, with pruning. Ah,
Allez-y, monsieur. Je vous amène le reste. Comme cuir aussi, si vous voulez. Comme cuir, oui. Bien sûr. Mais avec... Je vous laisse prendre. Hein. Merci beaucoup. Hein. Je vous les laisse voir tranquillement. Was he make a wish? Close your eyes. On the small square in the center of the village sits a fountain adorned with bronze dolphins. It dates from 1860. The dolphin motif has been a popular decorative element since the Renaissance, often associated with the presence of water. That's the St. Pierre and St. Paul Church revealed in the 11th and 12th century. It was fortified towards the end of the Hundred Years' Wars and the bell tower was raised. Overall, Otoa is a charming village located in a natural circus where nothing denotes, neither the dwelling nor the nature. Hope you like our tour for today. Thank you for watching. Like and subscribe.